Coucou tout le monde, si tu regardes ma vidéo aujourd'hui, c'est sûrement que tu te demandes à quoi tu peux bien jouer en dehors d'Animal Crossing. Donc moi, ce que je te propose, c'est de te présenter quelques petits jeux qui ressemblent un peu. Bon, vous allez peut-être trouver que ça ressemble pas vraiment, mais à vrai dire, il n'y a pas vraiment de jeux qui ressemblent beaucoup, beaucoup. Mais sur certains aspects, il y a des choses qui peuvent s'y retrouver. Donc, nous allons aller regarder sur le e-shop tous les jeux que je vais vous présenter. À tout de suite sur le e-shop. On se retrouve sur le e-shop. Donc là, je vais vous présenter le premier jeu qui, selon moi, ressemble le plus à Animal Crossing. C'est bien évidemment Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Donc pourquoi celui-ci? Tout simplement parce que en termes de personnalisation, on est quand même plutôt pas mal dans ce jeu. On peut décorer l'extérieur. Enfin, on peut assez personnaliser l'extérieur, je trouve. Donc le principe du jeu. Donc ce n'est pas du tout comme Animal Crossing. Mais voilà, il y a quelques aspects du jeu qui font que ça ressemble quand même un petit peu. Donc dans cet opus-là, et comme dans tous les autres, vous arrivez dans une ferme et vous devez commencer de zéro. Vous n'avez rien du tout. Il faudra construire des étables, des poulaillers, etc. Acheter des graines pour pouvoir planter des fruits, des légumes, etc. Cet opus-là a la particularité, contrairement aux anciens opus, d'avoir une personnalisation de la décoration d'extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez placer tous les éléments de décoration un petit peu comme vous voulez. Et votre ferme, du coup, au final, va pouvoir être originale et pas forcément ressembler à toutes les autres fermes en soi. Voilà. En fonction de comment vous placez les choses, etc., vous pouvez faire quelque chose de vraiment original et de pousser et faire de jolies choses. Voilà. Donc, vous pouvez également teindre certains objets. Ensuite, donc pour ce qui est commun à tous les opus, parce que ça c'est vraiment une nouveauté de pouvoir personnaliser, etc. D'ailleurs, j'ai oublié une autre nouveauté, c'est que dans cet opus-là aussi, il y a un musée. Vous pouvez le compléter, donc ça ressemble un petit peu à Animal Crossing. C'est peut-être un petit peu moins complet, ou enfin c'est un peu différent quoi. Mais voilà, il y a ça aussi à faire. Et voilà, donc c'est deux nouveautés qu'il n'y avait pas dans les autres Story of Seasons qui se sont rajoutées et qui ressemblent quand même à Animal Crossing. Sinon, pour le reste, donc ça va être commun à tous les opus. Vous avez votre ferme, vous pouvez construire des étables, des poulaillers, etc. Donc avoir vos vaches, etc., vos poules, donc des animaux de compagnie. Vous pouvez planter ce que vous voulez en achetant les graines, etc. Bon, par contre, c'est un jeu solo, il n'y a pas de multijoueur, vous pouvez pas inviter vos amis à venir visiter votre ferme, etc. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, le jeu n'en reste pas moins, je trouve génial. Et sinon, donc vous êtes tout seul et il y a d'autres habitants aussi chez vous, donc vous pouvez aller leur parler, vous lier d'amitié, leur offrir des cadeaux. Et ils peuvent vous demander des choses, des quêtes, etc. Et vous pouvez du coup leur donner, donc répondre à leurs quêtes. Ensuite, un aspect qu'il y a dans tous les Story of Seasons et qui ressemble un petit peu à Animal Crossing, c'est les événements. Donc vous avez des événements enfin, saisonniers, c'est-à-dire qui vont revenir en fonction de la saison à laquelle vous êtes. Donc dans Story, il y a quatre saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Donc au printemps, admettons, vous êtes à votre journée de printemps, vous faites votre journée, à la fin vous allez dormir, vous allez passer au lendemain, et les jours défilent comme ça. Donc c'est pas du tout l'heure du jeu n'est pas du tout l'heure de la vie réelle. Vous pouvez défiler les jours, passer les jours, et donc passer les saisons. Donc au fil des saisons, il y a du coup, différents temps. Il y a vraiment tout. Donc au printemps, voilà, il va faire beau, etc. En hiver, vous allez avoir de la neige, comme dans Animal Crossing. Et vous allez avoir du coup des plantations à faire selon les saisons et les événements qui vont avec. Bon, je vais vous citer quelques petits événements qui peuvent y avoir. Donc
Il peut y avoir par exemple du tournoi de pêche, concours de cuisine, concours de bétail, concours de culture, etc., etc. Donc beaucoup de petits événements comme ça. Et ces événements-là ne sont pas à débloquer ou à attendre dans des mises à jour. C'est vraiment des événements qui sont déjà dans le jeu. En fait, votre jeu, là, tout ce que je viens de vous dire, tout ça, c'est déjà dans le jeu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a déjà quelques DLC qui sont sortis. Donc, ces DLC rajoutent des personnages, des petits endroits à visiter, mais qui sont pas très, très importants. Mais c'est surtout pour ajouter des personnages. Et il y a une enquête qui est sortie. Donc c'est une énigme en fait, vous devez résoudre une énigme, c'est une petite histoire en plus quoi si vous voulez. Et il y en a d'autres qui devraient sortir, enfin des DLC qui devraient sortir par la suite encore. Donc ce jeu est vraiment vraiment complet je trouve. C'est celui qui pour moi, quand vous aimez Animal Crossing, il y a quand même de fortes chances que vous aimiez ce jeu aussi. Il y a aussi donc les anciens. Story of Seasons, donc ils sont pas aussi développés, enfin il n'y a pas autant de choses à faire, il n'y a pas autant de personnalisation ou ce genre de choses, mais ils sont quand même très bien aussi si vous aimez ce style-là, donc de gérer une ferme, etc. Je trouve que de toute façon, avec les événements qu'il y a, tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, franchement, en termes de personnalisation et tout, on passe vite au-dessus de ça. Enfin, il y a tellement de choses à faire que le jeu est intéressant même sans ça. Voilà. Alors, autre aspect aussi dont j'ai oublié de parler, c'est que c'est une petite spécificité à cette série de jeux, ou même ce style de jeu en général, parce qu'il y a beaucoup d'autres jeux qui ressemblent beaucoup et qui ont ce système-là aussi. Donc je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez vous lier d'amitié avec les habitants. Et il y en aura certains avec qui vous allez même pouvoir sortir, vous marier, avoir des enfants, etc. Voilà. Donc ça c'est un petit plus, une chose qu'on ne peut pas faire dans Animal Crossing. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais en tout cas là, je pense que déjà ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble dans le e-shop, là, les contenus médias, les photos, etc. Donc là, on a une vidéo, on en a même deux, vous pourrez regarder tout ça sur le e-shop. Voilà, le jeu ressemble à ça en fait, hein. Voilà. Donc ça, c'est le dernier qui est sorti. Les autres ne sont pas aussi développés que celui-ci. Donc, je pense que déjà, là, on est bien. Donc, je vais passer au jeu suivant. Comme deuxième jeu, j'ai choisi My Time at Portia. Donc, celui-là est beaucoup plus vieux que le précédent jeu que je vous ai montré. Donc, il n'est pas... Alors, en fait, c'est exactement la même chose que tous les Story of Seasons, mais comme les Story of Seasons, les anciens, du coup. Parce que là, dans celui-ci, il n'y a pas l'aspect de personnalisation dont je vous ai parlé dans le précédent. Donc, il n'y a pas la personnalisation d'extérieur et il n'y a pas non plus le musée. Mais sinon, tout le principe, tout ce dont je vous ai parlé juste avant, tout ça... Enfin, à peu près tout, en tout cas, il y est dedans. Pour moi, enfin, c'est le même jeu, mais avec des graphismes différents. Celui-là, je le trouve quand même beau comme jeu. Et il est. Après, il est dans un style quand même différent. Il a quand même son style à lui. Et moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est. Voilà, une petite chose en plus, c'est que. En plus de pouvoir parler aux habitants de ce lit d'amitié, de leur faire des cadeaux, de se marier, etc., il y a une petite chose en plus. En fait, quand on leur parle, on peut faire des mini-jeux avec eux. Donc, ça peut être, d'après mes souvenirs, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, il y a du pierre-feuille, du pierre-feuille-ciseau. Un truc de combat un peu farfelu, mais que je trouve trop marrant. Et sinon, les événements sont... Alors, il y en a certains qui sont les mêmes et d'autres qui sont complètement nouveaux.
des choses qu'on n'a jamais vues dans Story et qui font que, voilà, je trouve que ce jeu a quand même un certain charme. Et en plus, très franchement, il est pas cher du tout. Peut-être même bien qu'à l'heure où je vous parle, il est en promo. Et il est très souvent en promo et il est vraiment pas cher. Moi, je l'ai eu à moins de 10 euros. Et voilà quoi, il coûte même pas cher de base. Voilà, donc dedans, c'est tout pareil que l'autre. Vous pouvez aussi pêcher, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses pareilles. Voilà, c'est un jeu de ferme avec des événements, etc. Il est très bien. D'ailleurs, il y a un jeu qui va sortir qui est donc des mêmes développeurs. Ils vont développer un autre jeu qui ressemble à celui-ci, qui va s'appeler My Time at Sandrock, mais du coup qui sera dans un paysage différent. Et voilà, il y aura certainement aussi des fonctionnalités différentes. D'ailleurs, en parlant de fonctionnalités, j'ai oublié de vous dire que dans ce jeu-là, il y a. En dehors du petit combat que vous avez avec vos habitants, il y a un autre mini-jeu. Si vous pouvez inspecter des objets, ça fait un peu en mode le jeu des 7 différences, un truc comme ça. Voilà, bon, il y a peut-être autre chose que j'ai oublié de vous dire, mais voilà, ça aussi, c'est un jeu qui est quand même assez complet. Il y a pas mal de choses à faire, il y a de quoi vous occuper. Et voilà, donc je peux vous montrer aussi pareil sur le eShop à quoi ça ressemble. Donc là, il y a une vidéo si vous voulez aller voir plus tard. Donc là, vous voyez. Hop. Voilà, donc ça, c'est quand vous allez craft des machines. Voilà, non, franchement, il est vachement beau comme jeu, hein, je trouve. Vous voyez? C'est joli ça. Hein. Voilà. Donc bah là, j'en ai fini avec les jeux qui ressemblent vraiment le plus à Animal Crossing. Et maintenant, je vais passer à des jeux qui s'en éloignent un petit peu, mais qui pourraient peut-être vous intéresser. Dans les deux jeux précédents que je vous ai présentés, ce qui manque cruellement, peut-être, c'est sûrement le online. Voilà, donc je vous ai présenté deux jeux qui sont très complets, mais auxquels vous allez jouer tout seul. Donc là, je vais commencer à vous présenter des jeux qui ont du online. Donc pour commencer, nous avons le très célèbre jeu Minecraft. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Minecraft, c'est un jeu dans lequel vous avez deux modes de jeu. Donc vous en avez un où c'est le mode survie. Donc vous démarrez à poil dans le jeu et vous vous débrouillez avec ce que vous trouvez. Donc c'est à vous de créer vos propres outils, débloquer des recettes pour construire un abri, puis voilà, vous allez évoluer dans le jeu et à un moment donné, vous allez pouvoir créer vraiment, si vraiment vous le voulez, vous pourrez créer un manoir, une villa avec une piscine, vraiment, voilà, vous pouvez créer ce que vous voulez avec des cubes. Voilà, du coup, si vous aimez pas les cubes, ben... Ça va peut-être vous. Ça va peut-être pas trop vous intéresser, mais si ça ne vous dérange pas, voilà, on peut faire des choses vraiment très sympas. Donc, ça, c'est la version Switch, donc qui sera. Bah, moins. Il y aura moins de choses que sur PC par exemple, mais il doit y avoir quand même pas mal de choses à faire. Voilà, vous pouvez construire des maisons, laisser libre cours à votre imagination et surtout vous pouvez jouer à plusieurs. Je sais plus jusqu'à combien c'est, on regardera tout à l'heure. Il me semble que c'est jusqu'à 4. Voilà. Sur la Switch, parce que sur la Switch, du coup, les jeux comme ça, très souvent, on peut jouer que jusqu'à 4 personnes en même temps sur la même session. Enfin bref, je vais vous montrer du coup les médias. Hop, donc là on a. Une vidéo que je vais pas vous montrer parce que je sais pas combien de temps elle dure, mais là on peut voir que donc c'est un village. Donc dans ce jeu aussi il y a des villageois, mais c'est plus là on peut pas réellement interagir avec eux, ils parlent pas, c'est plus voilà un aspect on va dire stratégique quoi. C'est à vous de leur donner des métiers et tout pour leur acheter des trucs. Voilà, ils vont avoir plus une utilité dans ce sens-là et faire un petit peu le sale boulot à votre place, si vous voulez. Donc là, par exemple, regardez, c'est marqué construisez presque tout. Donc il y en a, ils créent carrément des forteresses. Voilà.
Donc là, du coup, ça va être le mode vraiment survie. Donc là, il faut faire attention aux monstres. Mais si vous aimez pas du tout cet aspect-là, vous avez aussi un mode créatif. Le mode créatif, il n'y a pas de monstres, il n'y a rien du tout. Vous pouvez y jouer à plusieurs aussi. Et vous pouvez, en fait, ce mode-là, c'est simplement pour construire des trucs. Donc si vous voulez construire des maisons, des bateaux, des ceci, des cela, enfin vraiment, vous faites ce que vous voulez, quoi. Alors, apparemment, vous pouvez jouer avec des amis sur mobile, PC et console. Donc, il y a peut-être un crossplay. Je sais pas du tout. Moi, je l'ai pas sur Switch. Du coup, je l'ai sur PC. Mais voilà, je tenais à vous montrer. Je tenais à vous le montrer quand même. Voilà. Donc là, on va regarder. Ça doit être écrit. Alors, tout affiché. Non. Où est-ce que c'est écrit? Non, c'est plus bas. Alors. Ah, si. Alors, du coup, en local, c'est jusqu'à 4. Mais par contre, en ligne, on peut aller jusqu'à 8. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais pas chercher précisément si il y a le crossplay, mais bon, voilà, à vous de voir. Et voilà, donc là c'est vraiment un jeu plus soit survie, RP, enfin voilà, survie, construction ou uniquement construction. Mais c'est en online, donc voilà, vous pouvez construire des trucs et tout avec vos potes et faire visiter ce que vous avez fait. Voilà, donc là je vais passer au jeu suivant. Toujours dans les jeux en online, et là on va être sur des jeux qui ressemblent à Minecraft, donc des Minecraft-like. Donc là, nous avons Dragon Quest Builders 2. Donc il y a eu le 1 avant, mais je vous présente celui-ci car il est plus récent et donc plus complet. Donc c'est exactement la même chose que Minecraft. C'est vous débarquez à poil et il faut tout construire de A à Z, vous protéger des monstres, etc. Mais ce jeu-là déjà est bon, après, ça c'est mon avis, mais moi je le trouve plus joli. En plus, vu que c'est un Dragon Quest, c'est avec du coup le même style que Dragon Quest. Et il y a des choses. Enfin, vous pouvez interagir avec d'autres PNJ en fait, ce qui n'est pas le cas dans Minecraft. Bon, après, il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions, quoi. Ça va être peut-être à certains moments. Après, je sais pas trop, je peux pas vous en dire plus parce que du coup, je l'ai pas ce jeu. Mais comme vous le voyez, il y a la démo gratuite. Moi, j'ai joué à la démo. J'ai trouvé le jeu vraiment pas mal et je vais vous montrer du coup quelques images. Donc là, vous voyez, c'est vachement plus joli là déjà. C'est toujours carré, mais ça fait un peu moins carré. Enfin. Vous voyez, c'est plus esthétique, quoi. Et vous pouvez tout à fait construire ce genre de construction-là que vous voyez. Voilà. Et les personnages ne sont pas des cubes, par contre. Voilà. Des personnages en style Dragon Quest, là, vous avez. Voilà, donc. J'ai rien à dire de plus, hein. C'est vraiment un Minecraft-like. Je vais quand même vous dire jusqu'à combien de joueurs on peut jouer. Mince, je me suis trompée, c'est pas là. Non, ça doit être plus bas. Alors, en ligne, ah, on peut jouer que jusqu'à 4. Donc ce n'est pas comme Minecraft où on peut jouer jusqu'à 8. Bon, après 4, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc voilà. Donc plus esthétique. Voilà, et c'est un Minecraft-like. Donc je vais maintenant passer au jeu suivant. Voici le dernier jeu du style Minecraft-like. Donc c'est un Minecraft-like, comme je viens de le dire. Donc c'est pareil, vous débutez à poil. Il vous faut donc vous équiper pour survivre, etc. C'est quand même un petit peu moins survie, je trouve.
parce que quand vous commencez, vous faites moins agressé. On va dire que c'est un jeu un peu plus chill, vraiment. C'est quand même un jeu qui ressemble beaucoup à Minecraft, mais en beaucoup plus chill. L'univers est beaucoup plus petit également. Ce n'est pas un monde ouvert ouvert, c'est plus des petites îles que vous avez à explorer, etc. Voilà, et du coup là c'est que en mode comme ça. Vous avez pas de mode créatif ou quoi pour vous éclater. Là vraiment c'est un jeu avec une histoire, une aventure que vous faites de A à Z, mais avec les mêmes fonctionnalités qui sont de créer vos équipements, etc. De créer votre abri, des choses comme ça, mais voilà, donc il y a moins de fonctionnalités, et puis c'est un jeu qui coûte beaucoup moins cher, voilà. Mais je voulais quand même le présenter parce que voilà, il est quand même plutôt pas mal. Je vais vous montrer quelques images. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et puis surtout, je vous le présente principalement parce que bah, vous pouvez jouer à plusieurs, quoi. Voilà. Donc après ça, les constructions comme ça, c'est pas des joueurs qui construisent ça, à moins que vraiment vous soyez très très motivé à faire ça, mais vu que c'est pas le but du jeu, voilà quoi. Mais voilà, il y a quand même des petits trucs, hein. Vous pouvez acheter des petits meubles, des petits vêtements, etc. Mais vraiment, le but du jeu, c'est plus de suivre l'aventure. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment annexe, quoi. Alors, on va regarder. Il me semble que pareil, hein, ça doit être jouable à 4. Et il y a des petits DLC. Voilà, moi, je ne sais pas ce que ça fait. J'y ai pas beaucoup, 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 beaucoup joué. Mais voilà. Et oui, c'est bien ce que je disais. Ça se joue à 4. Voilà, donc c'est un petit jeu sympa avec... Voilà, il y a quand même un petit peu de personnalisation. Donc vous pouvez quand même vous amuser un petit peu avec ça. Voilà. Donc je vais passer au dernier jeu multijoueur. C'est parti. Pour le dernier jeu de la catégorie des jeux online, je vous présente Farm Together. Donc c'est un jeu de ferme. Vous arrivez dans votre ferme et c'est à vous de tout, tout, tout construire. Par contre, ce jeu-là, alors en fait c'est un jeu en temps réel, mais je trouve que dans l'aspect ça va ressembler un petit peu à un jeu mobile, vous savez, quand bah, vous allez y jouer et puis à un moment vous allez être bloqué parce qu'il vous manque de l'énergie. Voilà, donc ce jeu-là, ça va être un petit peu dans ce délire-là. C'est-à-dire que vous allez planter vos trucs et tout, et puis bah, après vous aurez plus rien à faire dans le jeu parce que bah, vous avez accès à rien d'autre. Donc voilà, donc ça a plus voilà, ça va ressembler à un jeu mobile ou même à Animal Crossing si vous voulez, parce que Animal Crossing c'est un peu pareil. Une fois que vous avez tout fait, à part tricher en changeant l'heure et la date, vous pouvez rien faire. Et Farm Together, ben, c'est exactement pareil. Une fois que vous avez plus rien à faire à part changer l'heure et la date, ben, vous pouvez pas avancer quoi. Et autre partie de ce jeu. Alors, malgré qu'il soit en multijoueur, je trouve que le gros bémol, c'est que en fait, vous êtes dans votre ferme et en fait, vous êtes tout seul. Il n'y a pas de villageois, il n'y a rien du tout. Donc, vraiment, vous avez que la ferme. Par contre, vous pouvez vraiment personnaliser. Il y a beaucoup de choses à débloquer. Vous pouvez avoir votre maison, vous pouvez décorer dans votre maison. Et comme je vous le disais, c'est en multijoueur. Donc, ça veut dire que. Alors, il y a deux aspects. Soit vous pouvez aller visiter les fermes des autres personnes et les autres peuvent venir visiter votre ferme. Par contre, quand vous allez visiter ou que quelqu'un vient visiter, en fait, vous pouvez pas interagir. C'est-à-dire que vous allez aller sur une ferme et vous allez voir le personnage, mais en fait, c'est le personnage du joueur. En fait, le joueur n'est pas là lui-même. Donc, vous allez pouvoir faire des coucou et tout, machin. Mais le joueur, lui, ne vous verra pas dans sa ferme. Vous pourrez aller visiter, mais sans. Vous pourrez aller visiter, mais sans interagir avec lui, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais par contre, alors, il y a un truc bien. C'est que quand vous commencez votre ferme,
C'est à ce moment-là que vous pouvez jouer avec d'autres joueurs. Je ne sais plus jusqu'à combien. Donc on regardera tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est 4 ou 8. Enfin, je ne sais pas. On regardera tout à l'heure. Mais vous pouvez commencer une ferme à plusieurs. Et du coup, si vous vous êtes connecté tout seul, vous allez jouer tout seul. Mais s'il y a un de vos potes qui débarque, du coup, vous allez vous trouver tous les deux en même temps dans la ferme, quoi. Donc là, vous allez pouvoir jouer ensemble et cultiver des choses ensemble, décorer ensemble, etc., etc. Donc un peu comme Animal Crossing, quand vous partagez votre île avec quelqu'un. C'est exactement la même chose. Vous pouvez partager votre île avec quelqu'un, sauf que là, la différence, c'est que cette personne ne vit pas forcément chez vous et avec sa propre Switch va vivre dans la même ferme que vous, ce qui n'est pas possible avec Animal Crossing. Donc là, je vais vous montrer des images. Voilà, ça ressemble à ça, vous voyez, c'est quand même pas mal, hein. Voilà, vous pouvez élever du bétail. Ah oui, et puis vous pouvez vous déplacer dans votre ferme avec un petit tracteur parce que, en fait, la map, vous pouvez débloquer. En fait, au début, vous avez une toute petite map et au fur et à mesure, vous pouvez étendre votre map. Elle peut devenir vraiment gigantesque. Voilà, donc là, c'est comme je vous disais, eux, du coup, ils ont dû créer une partie à 5 et ils se retrouvent tous sur la même ferme, du coup, et ils jouent ensemble. En coop. Ça, c'est l'intérieur d'une maison. Ah ouais, apparemment, on peut avoir. Ah oui, c'est vrai, oui, on peut avoir un animal de compagnie aussi. J'avais oublié ça. Voilà, et on va tout de suite regarder à combien on peut jouer. Alors, en ligne, on peut jouer jusqu'à 8. Donc voilà. Ça, c'est un jeu que je pourrais vraiment vous recommander si vous kiffez les jeux de ferme. En plus, là, en termes de personnalisation, là, on est vraiment pas mal. Il y a également des événements dans le jeu. Bon, là, par contre, c'est un peu à la Animal Crossing, hein. Bon, le jeu, par contre, il est très vieux. Donc, ça veut dire que, en fait, tous les événements qu'il va y avoir, c'est des événements, qu'il y a tous les ans, quoi. En gros, c'est toujours les mêmes événements qui tournent en boucle. Donc il n'y aura plus de nouveautés dans le jeu, mais voilà, il y a quand même pas mal de contenu. Et puis ça peut être fun, voilà, pour. Voilà, je sais pas, vous pouvez avoir plusieurs parties, il me semble, en plus. Donc vous pouvez avoir une partie tout seul, une partie avec un pote, puis une autre partie avec d'autres potes. Enfin voilà, quoi. Et vous n'avez pas besoin d'être tous connectés en même temps, c'est vraiment, voilà, vous allez jouer à tel moment, et puis votre pote, il va continuer ce que vous étiez en train de faire, etc. Donc là, je crois que j'ai tout dit pour ce jeu. De toute façon, c'est un jeu de ferme online et en temps réel. Mais bon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez tricher. Et voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce jeu. Donc maintenant, on va passer au jeu qui ressemble vraiment de loin à Animal Crossing. Donc à partir de ce jeu, à partir de ce jeu, je vais vraiment aller vers des jeux qui sont plus du type, voilà, on va dire exploration, mais avec des aspects de ferme, ce genre de choses. Donc premier jeu, Summer in Mara. Donc c'est un jeu d'exploration, d'aventure, avec de l'agriculture et des quêtes à accomplir et des îles à visiter. Voilà. Donc là, je vais vous montrer des images. Donc ça, c'est la partie où vous pouvez planter des choses. Et là, c'est plus, vous prenez un bateau pour aller partir à l'aventure sur d'autres îles. Voilà, la ressemblance, elle s'arrête vraiment ici, hein. J'ai joué que à la démo parce que vous voyez, il y a la démo gratuite. Je n'ai pas le jeu. S'il vous intéresse, il est en promotion. Il coûte vraiment pas cher là. Il coûte 9,89. Mais de toute façon, je pense que je vais le prendre parce qu'à ce prix-là, ça peut être intéressant. Et puis, voilà, c'est un jeu solo. C'est un jeu solo d'aventure. Et le seul aspect ressemblant, entre guillemets, ça va être la partie où vous allez planter des trucs. Voilà. Je vais passer au jeu suivant. On s'éloigne encore plus avec Little Dragon's Café. Donc c'est un jeu où vous arrivez
Enfin, vous êtes dans un café, en fait, géré par votre famille, et vous allez accueillir un œuf de dragon. Et du coup, il y a un bébé dragon qui va sortir, et vous allez devoir élever le dragon. Donc, en parallèle de ça, donc élever votre dragon, vous allez devoir donc gérer ce café. La particularité, c'est que vous allez devoir tous les matins sortir de votre café pour aller récolter tout un tas de choses pour ensuite cuisiner. Donc c'est un jeu de récolte et de cuisine. Du coup, vous allez craft entre guillemets les plats et vous allez devoir les servir aux clients. Voilà, donc le jeu s'arrête vraiment à ça. Il n'y a pas de personnalisation, de décoration ou autre. Vraiment, bah là, le seul point commun, ça va être que vous allez aller cueillir des fruits, cueillir des choses, en fait, ramasser des choses. Voilà. Cueillir et ramasser pour craft des choses. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, malgré que ce soit quand même assez différent, j'aime beaucoup ce jeu, il est vraiment trop mignon, il est trop chou, l'histoire est trop mignonne aussi, et voilà, enfin ce jeu est vraiment très très mignon, et c'est très très détente quoi, voilà. Donc j'ai rien de plus à dire sur ce jeu, voilà, globalement ça va être ça, et je vais passer au jeu suivant. Le jeu suivant, c'est Yonder. Donc c'est un petit jeu type aventure exploration avec vous pouvez avoir une ferme et faire vos cultures et je crois bien même que vous pouvez apprivoiser des bêtes. Voilà, donc j'ai rien de plus à dire encore une fois et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est un paysage comme celui-ci. Voilà. C'est un monde ouvert. Voilà, donc ça c'est un petit jeu du coup. Donc il y a quand même une durée plus faible. Voilà, et puis comme je vous l'ai dit, on s'éloigne vraiment, mais ça reste quand même dans les jeux que je mettrais dans la catégorie détente. Voilà, les jeux auxquels vous pouvez jouer sans vous prendre la tête, quoi. Quand vous êtes fatigué et que vous avez besoin de vous détendre, un petit jeu comme celui-ci peut être pas mal. Donc je vais passer à la suite. Voici ma vie à la ferme. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est tout simplement un jeu de ferme. Voilà, vous avez votre petite ferme, vous jouez tranquillement dans votre petite ferme et c'est tout. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Pareil, c'est un petit jeu. Donc il est voilà, c'est un petit jeu, il est moins gros que les jeux de ferme que je vous ai montrés avant. Mais bon, on ne sait jamais si ça peut vous intéresser. Et je vais passer à un autre jeu. Parmi tous les jeux que je vous ai présentés dans la catégorie Minecraft-like, celui-ci est celui qui se rapproche le moins des Minecraft-like. Car celui-ci est tout simplement un jeu de construction version Lego. Donc c'est un peu comme Minecraft mais avec des Lego. Donc là je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez. Voilà, ça ressemble à Minecraft mais dans l'univers Lego quoi. Voilà, et ce n'est pas un jeu en multijoueur. Donc voilà, si vous voulez jouer tranquillement tout seul et créer votre monde en Lego, eh ben vous pouvez dans Lego Worlds. On s'éloigne toujours plus car cette fois-ci, je vais vous parler des jeux de type RPG avec l'aspect d'agriculture. Donc j'ai choisi d'illustrer cette catégorie avec bah, le jeu qui est selon moi le plus gros jeu RPG d'agriculture. Les Rune Factory. Donc sur Switch, vous avez le Rune Factory 4. Il me semble que c'est une remasterisation d'un ancien Rune Factory. Et il y en aura un qui sortira sur Switch, je ne sais pas quand.
J'avais vu qu'il avait été annoncé, il n'a peut-être pas de date, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Pour ceux qui connaissent, bah, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent pas, bah, voilà, en gros, bah, vous arrivez dans une ferme et bah, vu que c'est un RPG, vous avez toute une histoire où vous êtes un aventurier qui va devoir aller explorer des donjons, etc., taper des mobs et tout. Et à côté de ça, vous allez devoir bah, gérer une ferme. Donc c'est ce qui va vous permettre de tout cultiver vous-même, faire votre propre cuisine, etc. Donc ça, là, ce côté agriculture et tout, ça va être plus être secondaire. Donc votre jeu principal, ça va être plus le côté RPG du coup. Mais pour ceux qui aiment le mélange des deux, voilà, ça c'est un jeu vraiment très très bien. Et voilà, qui existe depuis très longtemps. Il y en a eu sur d'autres consoles, si jamais vous voulez découvrir. Et voilà, j'ai rien à dire de plus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est quand même un jeu assez beau. Hein. Ah oui, aussi, bah, vu que c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Story of Seasons et tout, dans ce jeu aussi, bah, vous pouvez vous lier d'amitié. Alors par contre, c'est un seul personnage dans les Rune Factory. Donc si vous choisissez le gars, bah, du coup, ça va, vous allez forcément vous marier avec la fille et vice-versa. Donc c'est un seul personnage, mais vous pouvez vous marier dans le jeu. Voilà. Donc je vais passer au jeu suivant. Dans le même type que Rune Factory, nous avons Stranded Sails. Donc c'est un peu le même style de jeu, c'est RPG avec de l'agriculture. Donc pareil, votre principal but, c'est voilà, d'aller explorer, taper des mobs, etc. Et en parallèle, vous devez bah, planter des trucs et tout, cuisiner vos plats, etc., etc. Voilà, donc c'est à peu près ça. J'ai pas encore joué, mais voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc là c'est la partie agriculture. Ça a l'air quand même assez sympathique. Bon, certes, c'est un petit jeu, mais qui a l'air quand même pas mal hein, dans son genre. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce jeu et je vais passer au dernier jeu de ma liste. Si vous n'avez pas peur des jeux pixelisés, vous devez sûrement connaître déjà le très célèbre Stardew Valley. Donc, bah, c'est un jeu qui ressemble très fortement à Harvest Moon, Story of Seasons, Rune Factory, tout ça. Mais du coup, c'est en multijoueur et dans le style pixelisé. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Bon, malgré que ce soit un jeu pixelisé, bah, il est quand même. Voilà, c'est quand même pas dégueu, je trouve. Hein. En tout cas, ça reste quand même assez mignon, assez joli. Voilà. Donc, c'est un peu comme les jeux que je vous ai présentés au début, mais du coup, c'est en multijoueur. Donc, je vais vous dire jusqu'à combien vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer jusqu'à 4. Voilà. Et je vais passer au tout dernier jeu de ma liste. Pour le tout dernier jeu de ma liste de jeux sur Switch, je vais vous parler de Gleaner 8, qui est pareil, un jeu au style pixelisé comme pour Stardew Valley. Donc c'est comme un Harvest Moon, Story of Seasons, ce que vous voulez. En mode pixelisé et en mode solo. Voilà. Donc, voici quelques images. Et voilà, c'est tout pour les jeux Switch. Je vais maintenant vous parler de quelques jeux PC qui pourraient vous intéresser. Pour les jeux PC, j'ai décidé de vous parler dans un premier temps du très célèbre jeu Les Sims. Donc là, pour le dernier qui est sorti, ce sera Les Sims 4. Moi, je pense que tout le monde connaît, mais bon, voilà. Les Sims,
Pourquoi j'ai choisi ce jeu? Bah, tout simplement parce que vous pouvez créer votre personnage, le personnaliser à fond. Vous pouvez créer votre ville en personnalisant à fond, en créant des maisons en personnalisant à fond. C'est vraiment le jeu PC qui a le plus de personnalisation. Vous pouvez vraiment tout personnaliser. Vous pouvez interagir avec d'autres personnages. Vraiment, les interactions sont multiples. C'est le jeu qui va être le plus complet dans le style simulation de vie. Et vous avez, comme vous pouvez le voir ici, des extensions comme par exemple Vie à la campagne. Donc, pour rejoindre tous les jeux que je vous ai présentés avant, ben là, avec les Sims, vous pouvez également avoir votre petite ferme. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus sur les Sims. Vous pourrez aller voir par vous-même, mais c'est le jeu qui ressemble vraiment le plus à Animal Crossing, mais qui a plus de fonctionnalités. Voilà, donc je vais passer à un autre jeu. Pour terminer, le deuxième jeu PC que j'ai choisi, qui ressemble vraiment beaucoup à Animal Crossing, c'est Ocolife que vous pouvez trouver sur Steam. Donc là, voici une petite photo par exemple. Il y a d'autres petites photos comme celle-ci. Voilà. Les voilà. Les photos. Voilà. Donc Ocolife, vous arrivez dans une petite ville. Vous êtes un petit humain et vos villageois sont des petits animaux. Donc là, jusque-là, on est vraiment comme dans Animal Crossing. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce propos. Donc vous pourrez la regarder si vous voulez. C'est une vidéo dans laquelle bah, je dis que vraiment ce jeu ressemble à Animal Crossing. Sauf que ce jeu va plus loin que ça. Tous les meubles que vous voyez là sur la photo, en fait, ce sont des meubles fabriqués de A à Z. Vous avez un outil dans le jeu qui vous permet de créer vos propres meubles. Vous pouvez créer vous-même vos meubles, mettre les couleurs que vous voulez et vous pouvez les partager avec les autres joueurs. Donc du coup, vous pouvez, vos amis peuvent prendre vos meubles, etc. Et vous, vous pouvez également choisir des meubles qui appartiennent à d'autres personnes. Toutes les semaines, il y a également un concours, en fait. En gros, tout ce que vous publiez qui rentre dans le thème va être examiné. Et ensuite, ils vont choisir ben, les objets qu'ils auront préférés. Et tous les objets qui auront eu le plus de votes va être proposé du coup à la borne. Donc il y aura une borne. Et là, vous pourrez télécharger ces objets pour les mettre chez vous. Et là, tout récemment, il y a une fonctionnalité qu'il n'y avait pas avant parce que du coup, c'est un jeu en accès anticipé. Donc c'est-à-dire que si vous achetez le jeu, en fait, il n'est pas fini. Donc, bah, du coup, bah, je l'ai acheté bah, dès qu'il était en accès anticipé. Donc, avec beaucoup moins de fonctionnalités que maintenant. Et vraiment, même au tout début, le jeu était vachement complet, je trouvais. Pardon. Et voilà, et là ce qui a été ajouté récemment, c'est comme vous le voyez sur cette photo-là, c'est l'agriculture. Donc vous pouvez planter vos légumes, etc. Et dans leur planning, il y a des choses qui vont être ajoutées. Donc dans leur planning de mise à jour, il y avait donc l'agriculture qui a été ajoutée. Apparemment, il y a le stockage qui a été ajouté. Parce que clairement avant, on posait un petit peu nos objets à l'arrache, un peu n'importe où. Apparemment, on peut les stocker. Moi, j'ai pas encore regardé, mais je le ferai et je ferai une vidéo. Ensuite, apparemment, ils veulent rajouter des boutiques et d'autres choses. Là, comme ça, je m'en rappelle plus, mais il y a vraiment moyen qu'ils rajoutent vraiment beaucoup de choses. Et pour moi, vraiment, c'est un Animal Crossing PC en fait. Hein. Voilà, vous pouvez croiser des habitants que vous pouvez faire venir pour emménager chez vous. Voilà, ils sont tout mignons. Et autre gros avantage, donc là, ça va ressembler beaucoup à Animal Crossing parce que vous pouvez décorer votre extérieur et votre intérieur, mais il y a un gros gros plus que vous
pouvez pas faire dans Animal Crossing, c'est que là, vous pouvez, en fait, vous pouvez décorer l'extérieur partout et l'intérieur partout. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez décorer votre maison à vous, mais également la maison de vos villageois. Vous pouvez créer des meubles et les placer chez eux. Sans que forcément ils vous le demandent, parce que certains vous le demanderont et il faudra livrer les objets et tout. Mais voilà, le jeu, il est vraiment. Il va s'améliorer, mais pour le moment, en fait, on sent vraiment que ce sera un jeu à son terme qui va être vraiment complet. Et voilà. Bon. J'ai pas grand-chose à dire de plus, vu que le jeu il est encore en développement, mais en tout cas pour le moment il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et je vais rester là sur les jeux PC. Je vous ai donné vraiment les deux plus gros. Après, dans les jeux que je vous ai cités sur Switch, de toute façon il y en a pas mal qui sont de toute façon également sur PC. Donc je vais pas en rajouter d'autres et je vais m'arrêter là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Peut-être que des jeux t'auront intéressé et que tu auras trouvé ton bonheur. En tout cas, ça m'a fait plaisir et je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!